Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube Cameroun Magazine TV. L'actualité en continu sur le Cameroun et dans le monde. Vous êtes maintenant plusieurs milliers d'abonnés à travers le monde qui nous suivent au quotidien et partagent nos vidéos. Un grand merci pour votre confiance. Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Magazine. Au sommaire, les mouvements de retrouvailles entre Jean-Paul Akono et Samuel Eto'o fils. Samuel Eto'o a rencontré vendredi dans un hôtel de la place les membres de l'Assemblée générale de la FECAFOOT de 2009. En marge de cette rencontre, il a eu un instant d'émotion assez exceptionnel. Il a retrouvé en public son ancien entraîneur Jean-Paul Akono avec qui il entretient d'excellents rapports. Le moment est historique. Jean-Paul Akono et Samuel Eto'o se retrouvent enfin après un long moment. Cela a été sans doute un instant de pur plaisir. Pour rappel, à l'issue des travaux tenus le 20 janvier dernier, l'instance fatiaire du football camerounais avait décidé de la mise sur pied d'un conseil transitoire de football professionnel chargé de la restructuration et de la gestion du football professionnel et placé sous la supervision du président de la FECAFOOT, Samuel Eto'o fils. Voilà ce que l'on pouvait lire dans le communiqué signé du secrétaire général de la FECAFOOT, Benjamin Didier Banlock. Restez connectés pour la suite des informations. Pas de vous abonner et surtout de cliquer sur la cloche de notification. Likez la vidéo si ce n'est pas déjà fait. Laissez aussi votre point de vue en commentaire.